Those who rely on us shall travel as seeds, who rely upon us. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur l'avocat général près la Cour suprême, représentant Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement entrant ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement sortant ici présents, Madame la secrétaire générale du ministère de la Justice, Monsieur le vérificateur national, Mesdames et Messieurs les magistrats, bref, les membres de la famille judiciaire ici présents, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers, Monsieur, Madame la présidente de la Chambre nationale des notaires, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, je me soumets à une règle de bienséance établie qui voudrait que l'on soit reconnaissant envers ses bienfaiteurs. Je veux, à ce titre, remercier le Tout-Puissant Allah qui a réservé dans ma destinée une charge aussi lourde, mais aussi exaltante et honorable que celle de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Ensuite, que le général de corps d'armée, Monsieur Mamadi Doumbouya, et le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouliba, reçoivent ici l'expression de ma profonde gratitude pour le choix et la confiance placée à ma modeste personne. Je remercie mes parents qui ont fait de moi l'homme que je suis. Ils méritent tout mon respect et ma considération sans limite. Monsieur le ministre Charles Wright, mon frère, le destin a voulu que je vous succède à la tête de ce département. Après avoir passé d'agréables moments de collaboration, je vous remercie pour le service actif rendu à la République et pour la qualité de la collaboration que vous avez bien voulu entretenir avec chacun des cadres du paysage judiciaire guinéen. Mesdames et messieurs, ma nomination à la tête du ministère intervient à un moment où la justice et les droits de l'homme font l'objet d'une demande pressante de la part des Guinéennes et des Guinéens. C'est d'ailleurs cette demande éprouvée qui a conduit le CNRD à sa prise de responsabilité, à déclarer la justice comme la boussole qui doit guider les actions du gouvernement. Cette déclaration, pour moi, est à la fois un idéal et un défi constant. Pour avoir été un acteur judiciaire à part entière, à travers les postes que j'ai assumés, tant dans les juridictions qu'à la chancellerie, je mesure les multiples défis à relever dans les domaines de conception, de mise en œuvre et de suivi de la politique du gouvernement en matière de justice et des droits de l'homme. En effet, en tant que procureur, plusieurs fois dans plusieurs juridictions, procureur général près la Cour d'appel de Cancan, puis inspecteur des services judiciaires et pénitentiaires, j'ai vu le meilleur et le pire aussi. Donc, le chagrin des victimes dévastées,
le désespoir d'hommes injustement détenus. J'ai aussi touché du doigt les conditions de travail dans lesquelles les magistrats et les greffiers se débattent au quotidien. J'ai donc conscience des innombrables difficultés auxquelles il est impérieux d'apporter des solutions. Comme vous le savez tous, plusieurs réformes récemment engagées au sein de notre ministère ont certes permis de transformer progressivement l'écosystème judiciaire et pénitentiaire. Mais à ce jour, tous les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. C'est pourquoi je m'inscris dans la logique de continuer les actions qui sont de nature à répondre aux attentes des populations en termes d'accès à la justice et en termes de réponse judiciaire aux infractions dans le respect des droits de l'homme. Dans cette dynamique, je m'engage à respecter la feuille de route et les axes stratégiques découlant de la lettre de mission de notre département. Je veux parler de l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous, la garantie de l'indépendance et de la redevabilité du pouvoir judiciaire, le renforcement de l'efficacité et la performance des institutions judiciaires et pénitentiaires, la jouissance, enfin, effective des droits de l'homme pour tous. Au titre de l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous, mes priorités seront, entre autres, la continuité du procès des événements du 28 septembre 2009 et la mise en place d'un fonds spécial d'indemnisation des victimes, l'opérationnalisation du fonds d'aide juridictionnelle pour les plus démunis de notre pays. Troisièmement, l'opérationnalisation de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la GRAS. Au titre de la garantie de l'indépendance et de la redevabilité du pouvoir judiciaire, je m'emploierai à assurer l'autonomie dans le fonctionnement des cours et tribunaux, veiller au bon fonctionnement des organes de discipline des magistrats et organes de justice, le renforcement des capacités de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires. Et toute autre direction, c'est pas parce que je viens de l'inspection que je En ce qui concerne le renforcement de l'efficacité et la performance des institutions judiciaires et pénitentiaires, je mettrai tout en œuvre pour la construction ou la rénovation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire national. Je veillerai en outre à mettre en place des programmes de formation continue des acteurs de la justice. La jouissance effective des droits de l'homme à tous est le quatrième grand axe d'intervention. Sous ce axe aussi sensible que fondamental, les services seront attelés tout d'abord à l'humanisation des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, puis au respect des obligations contenues dans les traités et conventions dont la Guinée est partie en matière de droits de l'homme. Aussi, je voudrais insister sur le fait que la justice ne doit pas se rendre dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. L'honneur des hommes et des femmes, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne mérite d'être jeté en pâture. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme veillera à ce que ces pratiques qui touchent à la dignité des personnes soient systématiquement poursuivies et sévèrement punies. L'atteinte de ces objectifs appelle nécessairement la participation active de chaque cadre du ministère. Pour cela, je sais pouvoir compter sur l'engagement et la loyauté de chacun pour l'atteinte des objectifs qui nous sont ainsi assignés par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les orientations stratégiques du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya,
président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Pour m'avoir ainsi prêté une attention quasi religieuse, mesdames et messieurs, je vous remercie.